monsieur Beleka na Congo number 1. Wow. Number 1. Tant que number 1 tout c'est bouter, number 2 terre. Number 1. C'est ça, président Raboy. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment presser un mot. Il va number one, internet number one. Tu es number one. Tu es Casarema.fr présente le groupe musical chrétien au Royaume Éternel dans un album signé Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ma papa pe ba maman, bona bana, bili bota mubimba. Pe na ba fête nyoso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Disponible sur tous les bons disquaires de la place. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis le mariage. DVD Bozelaki, Ponaba Maman, Ba Papa, Bibana. En bref, famille Mobimba. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. À Paris chez Capem, promotion pour les fêtes. Capem Mukondiab Agence, Capem Agence Yabananzam. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko, Yakambango na Capem, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris, promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc vous voyez, il y a 9h, pour 10h pile, 10h pile, 10h 2 minutes, la bienvenue dans le Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout à fait, on va aller. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits, promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du6multimo@hotmail.fr. On a déjà vécu cela avec Nkunda, on a vécu ça avec le CNDP. On ne va pas renouveler cette expérience une troisième fois. La nation ne survivrait pas. Donc pour les criminels, il y a la rétribution qui doit être faite, la justice doit passer. Pour ceux qui ne sont pas criminels, il y a une réinsertion dans la société. C'est la position qui est défendue jusque maintenant par tous ceux qui sont en train de travailler sur ce dossier. Et c'est la position défendue par les Nations Unies, le Conseil de sécurité. C'est la position défendue par l'Union africaine, la CIRGL et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous ne gagnerons rien en faisant la promotion de l'impunité. Au contraire, nous allons susciter de nouvelles vocations parce que des gens sauront qu'au Congo, vous pouvez tout faire. Demain, il y aura le pardon. Eh bien, c'est la ligne rouge qui est tracée. Nous l'avons dit et nous nous y maintenons. Mirador TV, John Chitende. Monsieur le ministre, c'est par rapport à la prolifération de tous ces groupes armés qui sèment la terreur et la désolation à travers les pays, bien que vous semblez nier ou balayer d'un revers de main l'existence de l'IFDC,
que vous qualifiez d'une fiction, mais vous avez aussi traité le M23 d'une fiction. Mais il l'est toujours, il l'est toujours. Mais aujourd'hui, je viens de le dire, le gouvernement congolais est autour d'une même table avec cette fiction. Oui, parce que cette fiction est congolaise, monsieur, et que nous voulons effectivement la faire disparaître. Mais que le M23 soit une fiction, vous ne m'avez pas prouvé que c'est faux. Que Goma soit tombé entre les mains du Rwanda et pas du M23, vous ne me direz pas le contraire. Donc quand le M23 dit que c'est lui qui a pris Goma, c'est une fiction. C'est ça le mot en français. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma question, mais je poursuis. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. On ne demande pas au gouvernement de faire des miracles. Mais par rapport à la prolifération de tous ces mouvements, que fait le gouvernement congolais pour étouffer dans l'œuf tous ces groupes armés? Parce que, après tout, c'est la paisible population congolaise qui en pâtit. Merci, monsieur le ministre. Merci. Nadine Laïn, Gotelé 7. Monsieur le ministre, tous ces groupes armés revendiquent une chose. Ils disent qu'il n'y a pas légitimité. Quelle est votre réaction? C'est une nouvelle. Merci, c'est Steve Wembi pour l'agence Nouvelle. Monsieur le ministre, selon le colonel Makenga, donc le pourparler de Kampala... Excusez-moi, je n'accepterai pas que dans la salle de mon ministère, on donne des grades dans notre armée à des gens qui ne les ont plus. Selon le chef rebelle... Ce garçon a été renvoyé de l'armée et il n'est pas colonel, alors reprenez votre phrase. Oui, monsieur. Selon le chef rebelle du M23, les accords de Kampala peuvent aboutir à l'adoption du M23 comme parti politique. Est-ce que le gouvernement a envisagé ça? Parce que vous avez déjà qualifié des bons M23 et des mauvais. La seconde question, le M23 toujours accuse le gouvernement de jouer à un double jeu, c'est-à-dire discuter à Kampala et plaider pour le déploiement d'une brigade de la force d'imposition de la paix. Et le M23 de leur côté disent qu'il va se défendre. Alors ma question est celle-ci, que servirait le pourparler de Kampala si le gouvernement prévoit aussi une option militaire pour résoudre donc à Goma? Merci. Enfin, nous prenons la dernière question. Jean-Marie Foumba-Bassapo de la RTNC. Je pose une question, monsieur le ministre, d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que par le cours, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui... Il y a les droits des cités, non seulement sur le continent africain, mais partout ailleurs, même aux confins de la Terre. Alors ma question c'est celle-ci, la RTNC a pris des engagements avec les diffuseurs, qui n'est autre que la FNEC, c'est LC2, et c'est souvent ça s'est fait comme cela, et c'est là avec l'accord du gouvernement de la République pour les droits de diffusion de cette canne. Au niveau du gouvernement, en tout cas, l'engagement a été pris pour remplir cette obligation. Et le ministère du budget a commencé le processus de liquidation de ces dépenses publiques. Cependant, au moment où nous parlons, la FNEX n'a pas encore touché son dû. Donc ce qu'on devait lui envoyer n'a pas encore atterri en compte. Le dossier est traîné au ministère de Finances depuis le mois de janvier. Entre-temps, la FNEX filmine des colères et a sorti des menaces de coupure du signal, car vous savez que nous attendons les deux derniers matchs, la petite finale samedi et le dimanche, la grande finale, et tout le monde est accroché à son téléviseur pour suivre ceci. Alors, ma question c'est celle-ci, le gouvernement Matata est très réputé respectueux de ses engagements, alors comment entendez-vous vous y prendre? Merci, monsieur le ministre. Merci. C'est bon, c'est tout. La réponse du gouvernement par rapport à la prolifération des groupes armés, mais elle est de deux ordres. Il y a ces échanges que le président de la République a annoncés pour reconstituer la cohésion nationale, parce que nous savons d'où viennent les influences, nous savons d'où vient l'inspiration pour ces groupes. C'est toujours dans la région des Grands Lacs que quelqu'un s'est mis en tête de décomposer la République démocratique du Congo et d'utiliser des Congolais à
cette fin, parce que c'est toujours plus facile d'utiliser des gens à l'intérieur de la maison. Et donc il faut reconstruire la cohésion, et le président a pris l'initiative qui va prendre corps dans les jours qui viennent pour que nous puissions, nous Congolais, nous conscientiser nous-mêmes sur des comportements du type de ceux que posent les personnes qui n'ont pas trouvé mieux que le moment où leur pays est agressé pour se rappeler qu'ils veulent revendiquer des droits et qu'ils ne peuvent les revendiquer que armes à la main. La deuxième réponse du gouvernement, c'est la lutte contre l'impunité. Parce que si aujourd'hui, il y a eu le M23, c'est parce qu'il y a eu le CNDP qui n'a pas été l'objet d'une quelconque sanction. S'il y a eu le CNDP, c'est parce qu'il y a eu Laurent Kunda auparavant qui n'a été l'objet d'aucune sanction, etc. Donc il faut tracer une ligne rouge. Et il est curieux qu'en même temps que nous cherchons à ce que la justice puisse passer, que nous subissions des pressions intellectuelles, morales de la part des gens, y compris des médias, pour dire « mais pourquoi vous vous montrez si dur ? Il faut aménager un peu les choses, il faut laisser les choses aller. Et demain, s'il y a une autre rébellion, on dira « ah, vous avez été trop complaisant vis-à-vis du groupe M23 et voilà que nous avons réfléchi à tout cela et nous estimons qu'il faut lutter de manière rigoureuse contre l'impunité en même temps que nous devons construire la cohésion de la nation contre justement ces gens qui se mettent à la disposition de projets qui viennent de l'étranger contre leur propre pays. Je pense que c'est la meilleure façon d'arrêter cette prolifération. Et d'autre part, il ne faut pas aussi croire que nous vivons sur une sorte de paradis, une île où tout se passe bien. Partout au monde, il y a des groupes de malfaiteurs. Ce n'est pas seulement au Congo. Que ce soit à Paris, que ce soit à Djobou, que ce soit au Brésil, à Rio, aller dans les favelas, vous trouverez des gens qui s'organisent pour commettre des actes du genre de ceux que commettent le M23 et les autres. Donc il ne faut pas croire que le Congo est seul dans ce cas-là, mais le gouvernement, les institutions, les organes de l'État doivent accroître leurs moyens pour rendre de tels actes certainement punissables et promptement punissables. C'est ça qui peut décourager les gens à suivre l'exemple. Mais s'il y a une réponse d'impunité, soyez sûr qu'il y aura encore plus de prolifération, même si ce n'est pas seulement chez nous que cela se passe. Télé 7, les groupes armés disent qu'il n'y a pas de légitimité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cela? Les gens ont la liberté d'estimer que d'autres ne sont pas légitimes parce qu'eux ne sont pas au pouvoir. Demain, si ces groupes armés arrivent au pouvoir, moi je dirais qu'il n'y a pas légitimité. Bon, finalement, ça résout quel problème? Ceux qui décident de la légitimité, ce n'est pas les groupes armés, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir, c'est la masse. C'est le corps électoral. Il a été consulté, il a donné sa décision. La décision d'un corps électoral est toujours entachée de petits problèmes. Je viens de vous en citer deux aux États-Unis, un au Ghana. Pourquoi là-bas on ne fait pas la guerre? Vous croyez que c'est moi les Congolais qui savent le mot illégitimité, ce que ça veut dire? Tout le monde parle d'illégitimité. Au Ghana, on a parlé d'illégitimité. Pourquoi là-bas on ne se bat pas et ici on doit se battre? Là est le problème. Le problème n'est pas le fait que quelqu'un dise d'un régime qu'il n'est pas légitime. Nana Akufo, il dit au Ghana que le président actuel n'est pas légitime. Mais vous n'entendez pas les armes parler. Pourquoi seulement au Congo, quand quelqu'un a une contestation, il faut que les armes parlent? C'est ça la question qui doit nous préoccuper. Mais que des gens disent que tel n'est pas légitime ou pas, mais c'est vieux comme le monde. Je ne connais pas de régime où on vous dit vraiment que c'est légitime complètement, tout le monde est d'accord. Non, partout il y a de la contestation. Mais pourquoi ne pas prendre une contestation qui est non violente? C'est ça la question qui se pose au Congo. En quoi sommes-nous différents des animaux? Les hommes savent régler les problèmes par des voies non violentes. Mais nous, nous allons toujours vers cette animalité, la réaction brutale, c'est ça le vrai problème. Donc le problème, ce n'est pas qu'on dise tel est légitime, tel ne le sera pas. Même si on met celui-là au pouvoir aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'il n'est pas légitime. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'il gère cette conviction? Si on le laisse gérer cela comme il veut, c'est-à-dire prendre les armes, tuer sans une réaction, alors vous entrez dans une jungle. Et dans une jungle, il n'y a pas de légitimité quelconque. Chine Nouvelle dit
que Makenga estime que le M23 deviendra un parti politique. Mais pour devenir un parti politique, il y a une série de conditions qu'il faut remplir, et notamment être reconnu comme tel par l'autorité habilitée à reconnaître les partis politiques. À ce moment-là, nous savons que le M23 est porteur d'armes. Nous savons que le M23 est en train de tuer des gens. Donc on ne peut pas nous projeter le M23 comme un parti politique qu'il n'est pas. Ça, c'est des promesses. Et nous ne sommes pas la première promesse non tenue des gens du M23. Donc, si le M23 veut être un parti politique, soyez certains que ce n'est pas à la rencontre de Kampala à en décider. C'est aux gens du M23 à décider de créer un parti politique. Le parti politique est un fait privé. À Kampala, on discute des enjeux nationaux. Mais le parti politique, c'est un fait privé. C'est comme si vous voulez épouser une femme ou si vous voulez épouser un homme, c'est votre initiative. Ce n'est pas Kampala qui va décider de cela. Donc quelqu'un veut se constituer en parti politique, il se constitue en parti politique. Il n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour cela. Il vient auprès du gouvernement enregistrer un parti politique qu'il va créer. Donc Makenga ne sait même pas ce que c'est qu'un parti politique. Et il veut diriger un pays. Le M23, vous dites, accuse le gouvernement de jouer un double jeu. On est à Kampala et en même temps on veut que la force de paix, la force de la brigade internationale se déploie. Mais quelle présomption! Qui leur a dit que c'est eux qui ont fait la guerre au Congo? Nous ne leur avons jamais dit ça. Quand nous disons guerre d'agression, nous ne disons pas guerre civile. Si c'était eux, si nous reconnaissions que c'était eux qui nous faisaient la guerre, le président, le gouvernement, le parlement, tout le monde parlerait de guerre civile, puisque ce serait une guerre de Congolais contre d'autres Congolais. Mais quand nous parlons de guerre d'agression, c'est que nous définissons que nous sommes victimes d'une agression venue de l'extérieur. Eux, ils ne sont que un instrument que les agresseurs utilisent pour essayer de se cacher, mais en vain. Nous les avons percés, l'Afrique les a percés, le monde les a percés, c'est pourquoi les sanctions tombent sur eux. Alors ne marchons pas à reculons. Ce n'est pas le M23 qui nous fait la guerre. Pour dire que nous déployons, est-ce qu'on peut déployer une force internationale à la frontière internationale du Congo contre des Congolais? Puisque eux, ils sont à l'intérieur du Congo. Mais nous, on veut déployer la force à la frontière. C'est que nous avons un problème avec des pays tiers. Nous n'avons pas de problème déterminant avec des concitoyens. Le M23 en lui-même ne peut même pas constituer un souci pour le commandant de la police à Goma. S'ils sont gaillards, peuvent-ils constituer un souci pour le commandant de la police? Donc ils ne peuvent pas être un souci pour l'armée. Donc ils ne peuvent pas être un souci pour la force, la brigade internationale. Ce n'est pas pour eux qu'elle vient. Il ne faut pas qu'ils s'habillent d'un manteau qui n'est pas le leur. C'est trop grand pour leurs épaules. La force internationale vient résoudre un problème régional, un problème qui nous met face à d'autres pays qui ne veulent pas nous laisser en paix. Donc il ne faut pas qu'ils aillent se projeter comme si eux devenaient ces pays-là. Donc ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Nous parlons avec eux parce que nous voulons maîtriser les enjeux internes. Pourquoi des Congolais vont se mettre au service d'étrangers qui nous agressent? Ça, c'est une question. Mais nous devons mettre fin à cette guerre qui vient de l'étranger en sécurisant nos frontières avec l'étranger. Ça, c'est la brigade internationale. Deux choses différentes. Il faut lui dire cela. Et ils disent qu'ils vont se défendre. Mais c'est bien pérorer. Mais si c'est eux qui ont pris Goma, pourquoi ils ne se sont pas défendus et restés à Goma? Qui a tiré sur eux pour qu'ils quittent Goma? Le fait est que ce n'est pas eux qui ont pris Goma. Et que quand ceux qui ont pris Goma se sont trouvés mis sous pression et qu'ils ont décidé de partir, il n'y avait plus rien qui empêchait Goma de revenir aux Congolais. Donc parler, ce n'est pas ça le problème. Il faut savoir ce que vous êtes exactement et vous en tenir à ce niveau-là. Nous savons qui tire sur nous. Nous savons qui a pris notre capitale provinciale du Nord Kivu. Nous savons qui a quitté notre capitale provinciale du Nord Kivu. Nous savons contre qui nous devons nous défendre. Nous devons protéger nos populations. Ce n'est pas contre le M23. Donc il est ses apaisements. La brigade ne vient pas pour lui parce que lui n'est rien. La RTNC sur la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes au courant de ce problème. Nous
sommes au contact avec le ministère des Finances, AFNEX. AFNEX, on doit prendre la République démocratique du Congo pour un client sûr. Jamais nous n'avons fait défaut de paiement. Nous avons toujours payé. Et donc ce n'est pas parce qu'il y a un problème bureaucratique, des documents qu'il faut remplir, le temps qu'il faut pour les procédures bancaires, qu'on va venir priver notre public de la petite finale ou de la grande finale. Je pense que ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes au contact et nous allons nous rassurer mutuellement pour que les Congolais aient le droit qui est le leur de suivre cette finale dans toutes ses étapes et les paiements seront effectués. C'est de l'argent public, c'est de l'intérêt public, donc rien ne se bloquera à ce que AFNEX entre en possession du paiement qui lui est dû. Merci encore. Nous n'allons quand même pas mettre à la disposition de ceux qui nous menacent toutes les informations, les dispositions que nous prenons pour faire échec à ce qu'ils veulent faire contre nous, pour les empêcher de rééditer le coup de novembre 2012. Donc je ne vais pas élaborer beaucoup plus sur cette question. Parce que lobby est zayo. T'as là le frère Marius Numbuma Zongi le soussoyé par la vidéo. Bien aimé Bondi Maboyamba album Oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album Oyo. Bordel cause la mingi à Paris, à Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Batumi balé bazobé la maladie moko. Bazan hôpital moko. Médecin moko zo traité bangonyo somi balé. Mais moko a koufi moko a biki. Et ça ka angolo. Nengi na lobby boye baki na lobby. Ya moto moto a ebite to eba limite matin bala. Oyo bana na nzambe nyon soya mokili mo. Mana ebiki bozo lo nangana. www.gazarema.fr. Bala oto lobby. Nzambaza roulage. Seigneur, le frère Nixon Navinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Frère Nixon Navinga avec l'album Mon Berger, bah yeah. Nasombate, Nazoa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko. Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, bah yé. Frère Nixon Mavinga, a Tselibino album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger yango yoé. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorula Matea. En même temps, ezo binisa yo, en même temps, ezo teya yo. Boya boye, ezalate. Eza nini ye. N'album yo, Mon Berger, Satanazui zéro. Na sombate, jamais.